Il la ferme et les yeux sur la terre, sur la souffrance, la peine et la misère, pour les ouvrir aux cieux. Un cortège d'anges venu pour chercher cet élu, ce fils, ce prince héritier, pour l'emmener dans la paix. Il a franchi le seuil du paradis et l'a Dieu l'a accueilli. La consolation de l'Éternel est pour tous ceux qui espèrent en lui. Il reconstruit ce que l'épreuve détruit et nous redonne goût à la vie. En Dieu notre cœur se réjouit, car l'enfant nous attend au paradis. Dans ce jardin Jésus n'est pas revenu, nous voulons servir celui qui console notre famille. Car bientôt, à un signal donné, les morts en Christ vont ressusciter, et nous, les vivants, nous serons changés. Et tous ensemble, nous partirons à la rencontre du bien-aimé. La consolation de l'Éternel est pour tous ceux qui